Même les bouteilles de champagne ont été décorées à son effigie. Raymond Verger est la star de la journée. Il fête aujourd'hui ses 100 ans. Et malgré sa vie bien remplie, un souvenir particulièrement marquant lui reste en mémoire. C'est Cyclone, vous vous souvenez de Cyclone 28. Il y a un petit bouga à 10 ans. Il y a bien voix misère, moi, avant frère moi. Maman, moi, j'étais dans cette dernier frère moi. Je crois que Mikavel, il est mort, jeune bouc. Pas de case solide. J'étais une case en bois, pas couverte, en paille. Tout ça, tout le monde là. Mais Dieu, mais aussi, quand ça n'a pas moi, pas en paille. Nous te dit des noms, tu connais ça, s'ils font, tu mettais des chèques dans l'endeuil, alors nous te gardons. Ces souvenirs, Raymond les a construits surtout avec sa famille. Aujourd'hui, ses enfants sont venus lui montrer leur soutien. Mon fils, il est mon papa, il n'est pas toujours joyeux, il est papa, je compte pour vous. Un soutien signe d'un amour inconditionné. Sa nièce ne peut cacher son émotion. Ça fait chaud au cœur. Ah, ouais, ça, j'ai la journée de poule, vous voyez? Je pleure même. Je suis fière de mon oncle. C'est un monsieur qui est fort. Ils ont bien vécu. Hein. C'est des anciens. Nous, on ne va pas arriver à 100 ans, nous. Hein. Je ne pense pas. Mais toute la famille est fière, bien que tout le monde vienne plus tard. Mais là, là, on est là pour l'honorer. Je vous dis très fortement. Très fortement. Il a mérité. Il a été bien élevé. Il a bien bu du lait, le vache, comme maman disait. Les crues, les gnames, patates, tous les bons trucs de chez nous. Quoi. Et voilà. Le résultat, il est beau comme un cœur. Raymond a donné rendez-vous à ses proches le 29 janvier prochain. En attendant, il continue de profiter de la vie au quotidien.